Les jeunes chasseurs Chorus, issus de Chorus, je crois, une centaine de chasseurs. Je me disais, arrêter d'utiliser cette arme et reprendre le Mordragon. Plutôt parce que Mordragon ne capture pas les âmes. Et là, je capture que des âmes ridicules. Donc c'est sûr, Mordragon va me coûter cher. Bon, et là, j'y vois plus rien, ça y est, c'est reparti. Il est où mon passage? Ah ben, il est là. Eh bien. Ok. On va laisser ouvert, hein. Bon. Passe. Y a personne. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oula! Si c'est un Chorus, celui-là il est énorme. Celui-là je prends en photo 3 fois hein, s'il faut. Alors toi, je sais pas si tu veux te battre, mais... Oh là là! Le bestiau. Je peux te parler? Ah ouais, d'accord. C'est, je peux miner cet insecte. D'accord. La chitine de dur insecte. On va savoir ce que je peux faire avec. Si je peux la récupérer, c'est que je peux m'en servir de minerai pour quelque chose. Le filon est épuisé. D'accord, j'étais là. Il est encore vivant, hein? Ou je l'ai flingué? Je crois que je l'ai flingué en fait. Bon mais c'est pas grave, c'était une bestiole. On verra ce que je peux en faire plus tard. Hein. Passe. Est-ce que ça vaut des thunes au moins cet objet là? Ça doit être dans les minerais. Chitine de dur insecte. À quoi ça peut-il bien servir? Super, avec du sang et tout dessus. Bon, il me faut mon sort rayonnement. Ouais, un peu de lumière. Oh non, me dis pas qu'il y avait que ça dans cette grotte. Parce que là, je remonte, c'est ma sortie, ok. Oh, je suis venu juste pour miner un petit insecte à la... Oui, à la con. J'allais le dire, j'ai pas voulu le dire, et puis finalement... Non, sérieux, là. Je suis venu pour miner la dure insecte. Oh, mais c'est... On sait même pas à quoi ça va servir. Bon, ben, désolé, dure insecte. De toute façon, si je trouve un de tes frères, je ferai la même chose. Bon. Ça c'est fait hein. Alors, c'est peut-être pour ça que l'autre m'a pas suivi. Elle s'est dit, ouais, c'est bon, hein. On va traverser une caverne, tout ça pour aller... Je suis où là? Enfin, je sais où je suis, mais... Je voulais aller voir. Il n'y a rien que j'aurais pas oublié. Le jeune chasseur, qui est un jeune chasseur, ouais. La chitine, ça peut servir. Quand même pas mal hein. Alors caverne est quand même pas mal. C'était où l'entrée? C'est par là hein. Ouais, je voulais voir, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai cherché de suite mon entrée donc ici je voulais voir qu'est-ce qu'il y a par là. Plouf. Ça devrait faire plouf quand on éclate ces trucs. C'est vrai, après tout. Bon, ben, en fait, il n'y avait que le coffre qui était intéressant dans tout ça. Et bon, ben, retour à Valboisé. Hein.
Donc la grotte de Valpoisé, c'était une petite grotte. Ouais, il faudrait que j'aille par là-haut. J'ai pas vu un point jaune par là. Il me semblait avoir vu un truc jaune. Non, c'est pas grave. On va continuer le chemin naturel. Hein. Parce que je suis pas sûr que passer par là ça va... C'est un troll. Ah non, encore perdu. Il vaut tant, je vais pas tous vous tuer, non, quand même. J'ai en laissé quelques-uns vivants. Passe. Filon d'argent, je croyais que c'était des gobelets, ça. Je me suis dit, tiens, il y a des habitants. Autre que les Falmer, bien sûr. Voilà, je suis encore perdu, en fait. Ah, ben il est là, tiens. Mon truc est là. C'est encore un de ces hôtels là. Eh oui. Je me demande où il conduit. On verra bien, hein. Ah ben celle-là au moins c'était pas la. C'était pas la même. Salut, petite biche. Ouais, je vais le prendre, hein. Tant pis. Hein. Allez, allez. On a plus qu'un coup, voilà, c'est bon. Dehors. Oui voilà, j'ai beaucoup en fait, j'ai regardé mon inventaire, mais j'ai beaucoup d'ingrédients, de potions et de minerais. Donc c'est des objets que justement je perds mon temps à les récupérer, c'est pas pour les... Donc avec cette arche, il faut que je parte. D'accord. Je vais aller visiter parce que si je quitte ça sans aller voir là-haut, je m'en voudrais tout le temps. Comme je pourrais pas y revenir de sitôt, je pense. Je veux quand même savoir ce qu'il y a par ici en haut. Ah. Je savais que j'étais pas venu pour rien. On dirait son arrivée, on dirait comme comment elle s'appelle. Ah dans waouh. Ça aurait été quand même dommage de pas voir ça. Ça n'a presque pas l'air réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça a l'air irréel, c'est ça? Waouh, c'est quand même... Ça aurait été dommage de pas venir ici quand même. Bon, on va en faire le tour. Hein. Oh! Désolé, breuvage d'illusion, diamant parfait, poison virulent. Je prends. Le squelette, il doit avoir un peu de pièces d'or, bien sûr, hein. Normal, hein. Un squelette, un tas d'os, il y a forcément... Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Je prends la bourse déjà, ça fait 28 pièces d'or. Livre inconnu, volume 1. Apporter un livre Palmer ancien à Uragroshub. D'accord. On va le lire à Tess, ce livre inconnu. Tant qu'à l'avoir. Et tant qu'à y penser surtout, parce que après, hein, c'est comme d'habitude. Livre inconnu volume 1. Est-ce qu'on peut le lire? Ah ouais, d'accord. Blabla blabla blabla. Da da da, ya ya, ya ya, ya ya. Et voilà. Ça, c'est fait. Merci bien. Donc on était à deux doigts de connaître toute l'histoire sur les Falmer. Hein. Ça c'est dommage. Il va falloir aller voir la guilde des mages pour comprendre l'histoire Falmer. As Yannir. Alors, il y a une petite créature là-bas. Hop. Oh là là. Si, c'est magnifique. Ah, ils se sont déchirés quand même pour le paysage. Waouh. Pouf. Ah bah tiens. Il y a un autre passage là en haut. D'accord. Oh là là, un géant des glaces. Oula. Excuse-moi.
On va faire un petit F5 avant, hein. Avant d'aller le voir. On lutte on le tue ou pas? Question. Et moi j'ai trop envie, comme d'habitude, d'aller voir derrière mes cascades, hein. Je les connais, hein, ces petits malins, souvent derrière une cascade. Hop! Un super coffre. Bon, là en l'occurrence il n'y a rien, mais bon. Ça c'est ce minerai. Ah bah voilà, c'est de l'orichalque, non? Ah non, c'est de la malachite. Bon, c'est pas grave, hein, je prends. Hein. Je vais trop vite. Surchargé avec trop de poids. Allez, dépêche-toi. Ah, quand même, j'ai eu un peu de mal à quitter. J'ai eu beaucoup de mal à la choper. Bon, le géant des glaces, on te verra à la fin. Parce que je vais monter aussi ça. Je vais être un peu perdu à la fin. Hein. Oula, c'est quoi en bas? Non, y'a rien. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Ce coup-ci, ils ont rien mis derrière les cascades. Hein. Ils se sont dit, oh, on va pas leur faire le coup à chaque fois quand même. Alors l'eau elle est un peu trouble, on voit à peu près quand même. Hop, allez vite. Yeah. Ça va pas être très chaude par contre. Bon, là c'est par là où je suis arrivé. Hein. Et que j'essaye de me repérer un peu. Hein. Sérieux, c'est quand même magnifique comme paysage. Je prends des captures. Et quand je m'arrête comme ça, c'est parce que je prends des captures. Hein. Et puis ils ont tout fait pour qu'on puisse... Voilà. Hop, hop, hop. Qu'on puisse venir admirer. Donc par là, on peut monter aussi. Qu'est-ce que c'est ce... C'est dommage que les fameux, pourquoi ils sont pas installés là? Je pige pas. Ils auraient pu s'installer là, personne ne serait venu les embêter. Je pige pas trop là. Les fameux, ils sont tous terrés alors qu'ils avaient des... un site comme celui-là dans lequel ils auraient pu vivre. Alors, c'est sûr, et pas des milliards. Hein. Aïe, je pensais pas être aussi haut. Ah mais il y en a un ici aussi, temple. Ah ouais, d'accord. Donc ces temples d'ici, ils vont pas m'amener ailleurs. Vraiment partout, n'est-ce pas? Hein? Tu m'as dit quoi? Bon ben, d'accord. Vous avez atteint l'autel de la connaissance, initié. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa oui. sagesse? Êtes-vous prêt oui. à honorer les mantras? Auriel vous bénit, mon enfant. Car vous avez fait un pas de plus vers le sanctuaire intérieur et la sagesse éternelle. D'accord. Mais pourquoi faire un sanctuaire intérieur alors que vous avez ça? C'est magnifique. Je suis désolé, mais... Voilà, pourquoi chercher plus loin alors que t'as ça? Ça y est, t'as ouvert ton truc, hein? Allez, hop, on va remplir la coupe. Voilà, c'est ce que je voulais pas. Ça, parce que ça m'inciterait à passer, alors que je sais qu'il y a un autre temple. Puisse la chaleur d'Auriel imprégner votre corps de toute chaleur. Je sais qu'il y a un autre temple, et je veux visiter cette grotte jusqu'au bout. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Bon ben tant pis, je continue ma visite. On va faire une petite sauvegarde rapide. Même une vraie sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. Voilà. Si je fais charger, voilà, 174, le Valouvrier à cet endroit. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Du moins, je vais faire une pause et je verrai après. Enfin non, je vais même m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et on reprendra ça la prochaine fois. Non mais t'approches pas, je voulais faire une capture avec toi sur le côté. Pénible, hein. Voilà, là, t'es belle, là, comme ça. Donc voilà, et on continuera un petit peu d'explorer ce Val oublié la prochaine fois. Donc bonne soirée.
Merci à vous d'avoir suivi ces épisodes. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à laisser des commentaires, à vous abonner à mes vidéos. Et à bientôt pour la suite des aventures de Nogiri dans Skyrim. Je vous laisse. Hop, voilà, les deux côte à côte, presque. Bonne soirée, ciao.